Comme tous les mardis, jeudi, je vais à Alfortville entraîner les adultes. Donc, moi, du coup, après l'entraînement, je vais à la douche vite fait. Je me lave, je m'habille, on monte dans la voiture, direction Alfortville. On a 15-20 minutes de route et après l'entraînement des grands. La petite plaque 5-7 qui va bien. Et on y va. Ça correspondait avec mes temps morts hors entraînement, du coup j'ai accepté. Déjà parce que j'aimerais bien plus tard travailler là-dedans, donc il me fallait une petite expérience. Et puis c'est le moyen de gagner un petit peu, en plus un petit peu d'argent, de se former. J'ai la chance de vivre de la lutte, de ma passion, de mon rêve d'enfant. Parce que déjà je suis en équipe de France, que j'ai un gros club qui me soutient très très bien et qui m'a toujours soutenu. Pour moi, 15 minutes de retard, je suis en avance. Hein. Je me considère en retard au bout d'une heure. Hein. Du coup, je leur annonce la sélection, je leur explique les critères de sélection. Je ne sais pas si on le fait maintenant ou après l'entraînement. Là, il a entamé la formation de DES, donc le diplôme d'état supérieur. Ça va lui permettre aussi d'emmagasiner de l'expérience en tant que coaching, dans le coaching, dans la préparation des séances et tout ça. Donc, c'est vraiment que du bénéfice pour lui, quoi. Séance aujourd'hui, échauffement, un peu de technique, attaque, défense de jambes. Une répète sur le haut du corps, on va travailler juste encore un petit peu le bras, la volée et que des intensités. Allez, c'est parti! Prenez l'espace là, Arthur ici. Chauffez. J'aimerais me faire une reconversion dans l'entraînement de haut niveau, mais plutôt vers les jeunes, plutôt vers un groupe KD junior dans un pôle France. Ça serait intéressant, ou dans la préparation physique. Donc c'est pour ça que je me forme dans ce domaine. Juste, il me décolle. Le partenaire, il joue un rôle important. Je ne suis pas un sac de pommes de terre. Je l'aide un peu à charger sur moi. Je lui mets peut-être 20 kilos, vous avez vu comment il me lève facilement? Il a les mots, je pense, pour encourager. Avant une compétition, il nous fait souvent un petit discours pour nous motiver, éviter de nous stresser, quoi. Franchement, il essaie de nous comprendre. Et ouais, on apprend bien. Hop, c'est parti, allez! Allez, on arrache bien, les Gréco, vous pouvez le faire à la taille! Une ambiance incroyable, franchement, moi je kiffe. C'est ouf parce que des fois, certains lutteurs, après l'entraînement, ils ont envie de rentrer chez eux, voir leur famille, se poser et plus penser à la lutte. Moi, après l'entraînement, je suis content de revenir ici et retransmettre. Et ils ont la chance parce que des fois, moi, ce que j'apprends dans le haut niveau, j'essaye de leur montrer des trucs qu'on apprend dans le haut niveau, dans le très haut niveau. Et c'est un plaisir un peu de retransmettre.